Et ça tout le monde, c'est Tazeric Perassia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 162 de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda Breath of the Wild Diamond Normal. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Souvenez-vous de l'épisode précédent, on avait continué d'explorer du coup cette immense zone dans laquelle on avait terminé tout simplement la zone où on s'était fixé pour l'explorer tout simplement, et donc du coup on s'était fixé une nouvelle zone les amis, donc on va se fixer tout ça hein. Donc il y a pas mal de choses à faire. On avait du coup réussi à avoir tout simplement ce camp là, donc et même en prendre en photo deux nouvelles choses pour les mettre au moins dans notre album photo et les valider hein, on va dire ça comme ça. Et donc du coup aujourd'hui on va continuer l'exploration hein, en espérant d'avoir une noix Korogu, parce que on n'avait pas eu de noix Korogu, souvenez-vous, dans l'épisode précédent. Après aussi hein, c'est un peu normal, on est dans des zones où enfin en tout cas on en a déjà récupéré pas mal, et surtout voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire derrière, donc voilà, il faut patienter un petit peu hein, il faut vraiment patienter. Et puis voilà, donc là ils me disent qu'on avait oublié un coffre, j'ai l'impression, je pense que c'est peut-être soit un wooden chest or the iron chest, mais bon, on ira le récupérer un peu plus tard hein, on a encore le temps, donc il y a aucun problème. Là le but au cas où c'est de réussir au moins à explorer du coup notre nouvelle zone, sachant que j'ai l'impression que la tour Sheikah qui est là est dans notre zone justement, donc écoutez, ça nous fait plaisir. Donc là au cas où c'est la phase un peu exploration, sachant qu'on va aller du coup en face tenter de voir s'il n'y a pas des petites noix Korogu à récupérer, parce que c'est vrai que ça commence à remonter hein, la dernière fois qu'on a récupéré une noix Korogu, ça commence à vraiment remonter, et enfin vraiment remonter, oui, il y a deux épisodes de cela, et 200 Korogu ce n'est pas suffisant les amis, donc il faut absolument qu'on trouve les 700 autres noix Korogu. Pour le moment ils ont pas l'air de venir à moi hein. Est-ce que je leur ai fait du mal, je n'en sais rien, mais ils ont pas l'air de venir à moi, donc écoutez, on va voir hein. Oh putain, non, tout sauf ça, oh putain, tout sauf ça. Mais donc du coup voilà, donc on va voir un petit peu, sachant que on se rapproche d'ailleurs de la tour Sheikah, ça serait même limite cool de l'activer maintenant. Je pense que même ça serait le meilleur des mondes. Oh putain, il y a des bokoblins. Il y a des bokoblins, il y a même un sorcier de feu. C'est what the fuck? Vas-y. Oula là, oula. Là, attention. Non, je l'ai. Ouais, il y a un sorcier de feu. Alors ça, je vous avoue que je le crains un peu, le sorcier de feu. Oh le bâtard. Oh mais c'est quoi tous ces mobs? Il y a un milliard de mobs autour de cette tour. Ok. Oh là. Ok. Ok 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 ok. On va rester quand même, on va se concentrer un minimum parce que. Ok. Déjà, voilà. Pour ça, on va le calmer. Merci. Le grand boomerang. Thank you. Donc là-bas, il y a le sorcier que j'aimerais bien réussir à affronter. Déjà, voilà. Par contre, on est en train de péter tous nos armes là. Normal ou quoi? Donc là-bas, il y a le sorcier de feu. J'aimerais bien quand même qu'il se téléporte à nous, ça serait cool. Pour tenter de le défoncer. Sorcier de feu, s'il te plaît, t'es où? Salut. L'entrée est écrite dans l'encyclopédie, sorcier de feu. Allez, viens. Donc là, le but est tenter de le défoncer. Donc on va voir, il spawn où, il spawn où, il spawn où. Il arrive vers moi, parfait. Ok. Bon, tu sais quoi, t'as pris en photo, donc on va te calmer déjà. 5. Alors, à mon avis, un sorcier de feu qui se mange des dégâts de feu, ça ne servira pas à grand chose, mais écoutez, oh, t'es là derrière. Il est quand même midlife, hein, donc mine de rien, on peut y arriver. Hein. Donc là, on va lancer une bombe. Voilà, on est en train de le gérer. Comparé au sorcier électrique, on est en train de le gérer. C'est génial. Attendez, on se concentre. Oula. Ouais, en train de gérer. Par contre, il nous a invoqué un jeu les chouchous. C'est une blague. Ok. C'est bon, là, il est mort, normalement. Voilà, le sorcier de feu, il est mort. Ah,
il nous a pas drop sa baguette. Bon, après, on a Nathan. Ah, si, il est là, la baguette de feu. Bon, par contre, du coup, toi. Ah non, on aurait peut-être pas dû. Je suis con. On aurait peut-être pas dû, on aurait dû le prendre en photo. Après, on en rencontrera certainement dans le jeu, donc. C'est pas non plus dramatique en soi. Ok, baguette de feu, on l'a déjà. Celui-là, pas besoin. Ah, attendez, Lucky Stat. Ok, bah si, c'est bon, je l'avais déjà en fait. Je l'avais déjà. Massue à point. Ah, mais il y en a un deuxième. Bah écoutez, ça fait plaisir. Bon, venez, hein. Attention. Ah, il m'a capté. Bah là, on va être dans la sauce par contre, hein. Je vous le dis, on va être dans une sauce immense. Oh putain de merde. Ok. Vas-y. Ils ont décidé de tout faire péter. Merci. Quoi? Attendez, ils m'ont fait quoi là? Ils m'ont pas balancé un tonneau d'explosif? Je crois qu'ils m'ont balancé un tonneau explosif. Super quoi. Alors là, c'était pas du tout prévu, hein. Ah, j'aurais dû sauvegarder après, du coup. Quand c'est le danger, il faudrait que je pense à sauvegarder, parce que, du coup, on ripop à des endroits... regardez, non, mais regardez, on ripop, quoi. On ripop... Non, mais c'est une blague. On ripop ici? Non. En gros, on ripop, là, on était tout à l'heure, en début de vidéo. C'est dingue. Oh, putain, je suis dégoûté, par contre, hein. Ah là, il faut vraiment... Après, on avait Cinétis, je suis débile, putain. Oh, on avait Cinétis, là, c'est de ma faute. Là, ouais, mais le problème, c'est que pour moi, c'est pas logique d'utiliser ces pouvoirs-là. En fait, pour moi, j'ai pas l'habitude de ce Zelda. J'ai clairement pas l'habitude de ce Zelda, donc pour moi, j'arrive pas à avoir les réflexes qu'ont certains avec Cinétis. Après, tu le bourrines, sachant que moi, en plus, j'ai pas beaucoup de flèches. Hein, j'ai à peine 100 flèches, hein, c'est pas fou. Donc, ouais, c'est un peu chiant. Ah putain, je suis dégoûté, quoi. Ah, je suis écœuré. Ah, je suis écœuré, là, les amis. Honnêtement, vous savez quoi, on va même sauvegarder. Mais je trouve ça con. Pourquoi il n'y a pas la sauvegarde automatique qui s'active? Elle est où, la sauvegarde automatique? Il n'y a pas la sauvegarde automatique. Je comprends pas pourquoi la sauvegarde automatique ne s'active pas, quoi. C'est con, hein. Honnêtement, je trouve ça débile. Tu veux vraiment te la jouer comme ça? Merci. Voilà, donc on a sauvegardé un peu. Merci. Donc là... Ouais, parce que du coup, ça veut dire qu'il faut la reprendre en photo. Ok. Là, on va se prendre le coup, mais sorcier de feu. Je m'en doutais. Ah, putain. Surtout que l'autre, il est derrière. Donc, ça veut dire qu'il peut me balancer des tonneaux explosifs à la gueule. Oh, le bâtard, il s'est relevé. Vas-y, tu veux vraiment t'ajouter comme ça? Oh, le bâtard, il me met des coups. Ok. Oh, putain, d'accord. Ok, on va se soigner. Oh là là, c'est hardcore là, le ce jeu là, c'est un truc de dingue. Surtout que si ça explose comme ça, bah super. Non mais t'es sérieux? La chaleur est insupportable, vous allez subir des dégâts si vous restez dans cette zone. Bah attendez, mais elle me fout quoi là? C'est normal que ça ne s'arrête plus là? Ça ne s'arrête plus. Faudrait peut-être la tuer. Que ça s'arrête. Oh, quelques abrutis. On l'a tué, c'est bon. Ok, bah putain, c'était what the fuck. Oh non, mais là, si on se fait aggro par même par ces monstres. Ah bah si. Ah bah alors là. Ah bah alors là, on a. Là on est mort, hein, je vous le dis. Là, il faut croire au miracle, hein, pour y arriver. Ah, c'est un jeu ultra hardcore quand même. C'est honnêtement, c'est un Dark Soul en fait, ce Zelda là. Pas le choix.
On a des bombes, donc on va déjà le calmer un peu. Oh oh. Voilà. T'es où? T'es où? Il est là. Faut juste pas qu'il fasse sa météorite à la con là. Pas le choix. On est obligé de l'envoyer valdinguer. Oh, il tombe. Tombe avec la bombe. Vas-y, la bombe elle suit. C'est quoi? On va peut-être même mettre ça. Ah, bon bah c'était peut-être un peu trop loin. On a réussi en tout cas à l'avoir tranquillement. What the fuck, c'était quoi cette zone quoi? Ouais, donc là maintenant on a éliminé ça. Ouais, je suis obligé de sauvegarder à chaque fois en fait. C'est ça qui est chiant. Et surtout qu'on a plus beaucoup de vie quoi. Ça me trigger, hein. C'est un truc de... Je crois qu'on va vraiment pas avoir le choix. On va devoir rescanner les amiibos. Hein. C'était pas prévu, mais je crois qu'on va devoir rescanner les amiibos. C'est quoi? Vous voulez vraiment vous la jouer comme ça? Vas-y, c'est quoi? Il s'est passé quoi? J'ai à peine soulevé le tonneau. Il m'a même pas attaqué pourtant. Enfin, il m'a même pas mis de hit. À part si j'ai peut-être pas vu, l'autre il m'a lancé une flèche, il m'a fait exploser le tonneau. Putain, c'est une mastermind ce qu'il a fait vendre. Mais honnêtement, voilà quoi. Oh, ah bah oui, parce qu'il est pas réellement mort. Oh là là, mais putain, quel âne. Non, 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 non. Est-ce qu'il y a moyen de me laisser tranquille? Vas-y, de toute façon, pas le choix. Ok. Voilà. Toi, tu vas te calmer, c'est moi qui te l'ai dit. Oh, le bâtard. Vas-y. Vas-y, viens ici. J'ai une flèche partir, toi, je suis désolé, mais... Non! Surtout pas, faut pas qu'elle explose. Surtout pas qu'elle explose. Oh putain. Oh, on se mange des dégâts. Ah non. Oh putain, on va pas y arriver. Oh, j'ai juré. On va pas y arriver. Oh putain, non, mais là c'est la merde. Il y a trop d'ennemis quoi. Oh là là. Oh. On va pas y arriver, c'est moi qui vous le dis. Aile de feu. Oh, cette aile d'une créature peu que. Cette aile d'une créature peu commune, la chauve-souris de feu ne brûle plus. Mais reste chaude au toucher. Elle peut servir à préparer des remèdes. Oh mais c'est incroyable, j'appuie sur le bouton pour le lancer. Vas-y, exploser. Voilà, déjà pour commencer. J'en ai marre là, tes chauves-souris de feu mon gars. Mais quoi? Mais attendez, mais il m'a intercepté l'attaque. Oh mais si je découvre des choses aussi. Dégage. Bah super, l'autre est en train de me balancer des tonneaux de feu, normal. Ah non, parce qu'il a... D'accord, je viens de comprendre. Je viens de comprendre le truc qui m'a explosé au visage tout à l'heure. C'est juste qu'il a un arc explosif, en fait. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il faut vraiment qu'on s'équipe. Il faudrait vraiment qu'on commence à avoir du stuff tranquille. Parce que là, c'est plus possible. Hein. Je suis désolé, mais... On va peut-être te casser la gueule, c'est moi qui te le dis. Une arme. Oh putain, on a qu'un épée de chevalier. Est-ce que ça va suffire? Je sais pas. Ah, super. Lance à pointe mobline. Bien que peu élaborée, cette lance de mobline à laquelle une corne acérée a été fixée possède un pouvoir perforant à ne pas sous-estimer. Oh, mais ta mère. Voilà, je suis désolé. Néanmoins, attention. Oh, mais je vais te buter, toi. Ok. Belle esquive. Top, pas plus. Oh, attention. Parce que ce hit va être fatal si on se le mange. Donc, pas le choix. Ok. Allez. Allez. S'il te plaît, est-ce que tu peux décéder dans le plus grand des calmes? Merci. Oh, putain, j'en pouvais plus. Oh, je vous avoue que... What the fuck, quoi. C'était quoi tous ces ennemis? Non mais on a eu de ces ennemis. J'ai juré, mais what the fuck quoi.
L. Ok. Bon. Alors du coup, logiquement, attendez les amis. Logiquement. Est-ce qu'on peut... Alors, aller dans les armes. Et on va aller faire ça. Oh, par contre, il faut vraiment qu'on ait de nouvelles armes. Parce que là, on n'a plus rien. On va dire ça. Voilà, une lance à série de... Une lance à pointe mobline. D'accord, je peux peut-être la prendre comme ça. Ça sera peut-être un peu mieux. Ouais, ça sera mille fois mieux. Peut-être un peu plus avancé. Voilà. Bon. Bah écoutez, en tout cas, on sera arrivé à notre destination. ça aurait été galère, mais bon, écoutez, hein, il fallait bien de la galère au bout d'un moment. Mais what the fuck, quand même, le nombre d'ennemis... ils doivent doser quand même, hein, minimum. Hein. Donc là, on est arrivé du coin de Tour Sheikha, qu'on va du coup pouvoir activer. Ça, c'est très très bien. C'est très 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 bien. Oh putain, non, mais c'est même pas fini, en fait. Je suis désolé, mais là, on va peut-être devoir vous calmer, les gars. T'es sérieux? Tu veux vendre la jeu? Attends, ça me fait vraiment mal ce truc à la con. Oh non! Oh, mais il fait mal ce connard! Ah. Putain, il fait mal cet abruti, attention! Ok, je suis désolé, mais putain, c'est un truc de dingue se soigner comme ça à chaque fois. Xevi sur Xenoblade Chronicle. Oh, vas-y. Ok. C'est quoi tous ces ennemis, mais. Oh, voilà. Quoi, t'es vraiment pas mort alors que t'es tombé de 10 mètres de hauteur. Bon, au moins, on l'aura un peu calmé. Hein. Oh là là, j'en peux plus. Oh, ils nous ont carcé les burns. Le tour du lac. Allez. Bah, super. Comment niquer le truc? Oh, j'ai pété les plombs. Ouais, pomme grillée, thank you. Alors, une lance de soldat, un entraînement rigoureux est nécessaire au bon maniement de cette longue lance, autrefois réservée aux soldats du château, sa lame de fer est solide et résiste au feu. Ok, alors là, j'ai revu un autre coffre, donc on va quand même aller le récupérer avant d'activer la tour. 10 flèches en bois, ces flèches d'utilisation courante sont fabriquées à partir d'un bois solide. Ah mais attendez, mais c'est même pas fini en fait, il y a lui aussi. Oh non mais les gars, on va pas s'en sortir dans ces comptes là. Allez. Thank. C'est ce que je voulais faire depuis 2 heures. Oh mais attendez, mais c'est un bocal. C'est un les alphas rouges. Un les alphas de feu. Ça va, oui. L'entrée est créée dans la cyclopédie. Les alphas de feu. Ouais mais du coup on a plus d'armes. Si on a une lance de soldat. Wow. Ok, vas-y. Hey. Oh, le bâtard. Tu veux vraiment souffler du feu? Oh, mais attendez, mais il y a 50 lettres. Quoi? Non. Non, on part. On leave me alone. Oh my god. Ok. Oh, what the fuck. Oh, ok. Bon, bah, explose. Oh, putain. Oh, ok. Vas-y, détruis-le. Ok. Les alphas de feu. Que rouge de les alphas, évitez de manger cette queue de les alphas de feu et à la chair peu ragoûtante et faites-la plutôt cuire avec une grenouille, un insecte ou un lézard pour obtenir un remède. Oh putain, mais j'ai pas le temps de sauvegarder. Oh mais c'est incroyable. Oh me dis pas que je repop au... Oh là là, je repop à mon avis à l'endroit. Oula, il y a le sorcier de feu. C'est une horreur, hein. Je vous le dis, c'est une horreur. Ah non, on repop ici. Ok, ça va. Mais c'est une horreur quand même. Hein. Oh putain, hein. C'est vraiment horrible. En fait, il faudrait que j'arrive à tenter le one shot, quoi. Presque, waouh. Ça. Après, c'est vrai qu'on a cinétique. Ouais, c'est comment? Voilà.
Mais il a dit spawn. Laissez-moi mes doutes. Bon, du coup, ça c'est fait. Je les ai déjà lus. Ah, mais s'il y a un octo en plus là-bas. Oh, mais on va pas y arriver. Alors là, il y a les 50 milliards de les alphas. Donc, à surtout faire très attention. Je pense qu'on peut même tenter un petit truc assez sympathique. Genre, tu fais ça. Voilà. Tombe. Attention. Allez. Oh, t'as vraiment voulu me la mettre, celle-là. T'es mignon, toi. C'est quoi? Je suis désolé. Il est derrière. Je pense qu'honnêtement, là... Voilà, on va pouvoir bien le calmer. Oh, mais attendez, mais what the fuck? Il y en a combien? What the fuck? Il y en a combien? On va pas y arriver. Bon, du coup, les amis, moi, je replie bataille, hein, je vous le dis. Mais ils ont littéralement craqué, non? Il y en a combien? Les amis, on fait comment? On fait comment? Il y en a... Regardez, non, mais il y en a un milliard. Il y en a un milliard. Merci. Et non, on est des cons. Oh, putain, chaque fois, je vise mal. Vas-y. Oh le bâtard. Vite. Allez. 5. Eh bah putain. Ouais. Ok, on l'a déjà. Tac. C'est bon. Oh mais ça ne s'arrête plus les amis. Ah moi j'ai prévu d'arrêter l'épisode là, mais ça ne s'arrête pas quoi. Désolé, mais le Bokoblin rouge, il va vite partir. Il va rien comprendre, le Bokoblin bleu, mais... Vas-y. Ok. Tu veux vraiment de la jouer comme ça? T'es vraiment sûr de toi, toi? Ok. Alors, on va profiter qu'il est débile pour faire ça. Fink. Et voilà, masterclass. Alors là, c'était une masterclass, hein. Mon dieu, cette zone. Oh mais attendez, mais ça ne s'arrête plus. Oh, ah d'accord, mais en fait on est à la sortie du pont là. Ah et du coup on est à la limite du truc. Ah d'accord. D'accord. Oui, d'accord. Je vois où on est. Ah mais c'était pété de monde, hein. Oh con, sacré nom de dieu. Oh non mais attendez, non mais ça ne s'arrête plus en fait. Ça ne s'arrête plus en fait. Non, ok. Fink. Ok, tu veux vraiment de la jeu... Tu veux vraiment de la jeu connard, toi? Vas-y. Fink. Là, il faut absolument rester concentré. C'est moi qui vous le dis. Mon dieu, non mais... Ah, il faut qu'il jauge au niveau des ennemis sur ma vie, what the fuck, quoi. Lance the pointy de Bokoblin. Je suis désolé. Tu veux vraiment souffrir? Mais est-ce qu'à votre avis, dans tout ça, est-ce qu'il y a des noix encore au goût, quoi? C'est toujours la même chose. Bon, du coup, on aura tout ce pont à explorer dans l'épisode prochain, je vous le dis. Oh my god. Ah bah dis donc, il y en avait des ennemis à tuer ici. Ah mais attendez, mais ça continue. Attendez, mais on va péter les bons. Bah en fait, honnêtement, je pense que... T'es sérieux? Comment... Bah attendez, peut-être... Bon. Ouais, parce que je sais ce qu'il va faire. Voilà, je suis désolé, mais il y a des fois où il faut plutôt agir. En fait, j'ai l'impression que ça crée un petit chemin pour amener à la tour, mais en fait, il y en avait plusieurs. Donc, si tu te trompais, hop, t'étais cuit.
Ah mais attendez, non mais les gars, c'est même pas fini quoi. C'est même pas fini quoi. Ah, du coup, eux ils vont rien comprendre, mais pas le choix. Boum. Désolé, je sais que je dois m'arrêter là les amis, mais on est dans un endroit, mais what the fuck pour s'arrêter. Ah là 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 là. Surtout avec une épieu beaucoup à la con. On va pouvoir remplacer par ça. Eh ben dis donc. Je pense qu'on va du coup pouvoir s'arrêter là maintenant. Ouais, pour aujourd'hui. Tac. Bah du coup, on va directement activer la tour, hein, et on s'arrêtera là directement. Ouais, je cherchais s'il y avait des noix Korogu ou pas. Mais j'ai l'impression que le jeu veut pas me l'offrir. Ok, donc écoutez, on va quand même profiter de sauvegarder un petit peu. Voilà. Comme ça, au moins, on aura du coup notre partie. Oh, mais attendez, mais il a ripop lui. Non, enfin, non, il a. Enfin, parce qu'on l'avait pas tué directement. Désolé, mais. Non, prends pas ton truc, ton arme, s'il te plaît. Allez. C'est bon. Eh ben, putain. Par contre, le boomerang les ailes, je prends. Bien, voilà. Par contre, du coup, ça va mourir. Merci. Et bouclier les ailes à 22, normalement, je crois. Bouclier les ailes. Bouclier les ailes robuste. Ah, c'est juste un bouclier les ailes tout court, en fait. Du coup, on l'a jamais pris en photo. Parfait. L'entrée est écrite dans la scolbédie, bouclier les ailes. 5. Oh, c'est une blague, là. Ah mais t'es sérieux, il pleut maintenant alors qu'on va peut-être devoir monter la tour. Ah bah du coup on la montrera dans l'épisode prochain, je vous le dis. Ah non c'est bon, ça s'éclaircit, j'ai l'impression. Allez. Mais non, mais putain, j'en peux plus. Eh ben voilà. En tout cas c'était une zone assez costaud hein. Sacré nom de Dieu, c'était une zone de bâtard. Du coup bah les amis c'est parti. Tac. Tac. Tac, voilà. Donc il manque plus que... Ouais, il manque plus beaucoup. Allez. 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 Ok. Il nous manque encore quelques mètres. Alors, désolé, t'es pas prévu que ça prenne aussi longtemps. Mais vu qu'on y est, donc autant faire ça maintenant. Ok. Et là, du coup, il nous manquera plus que... Plus qu'à y aller. À y aller tout court. 5. Et voilà les amis, on est à la tour Sheikha, à la tour du lac je crois. Donc écoutez, c'est parti. Tablette Sheikha reconnue, activation. Oui. Oh putain, j'en pouvais plus. Oh j'en pouvais plus. Bon du coup on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Clay, il va voir la petite goutte. On aime bien. Bon, par contre, il n'y avait pas beaucoup de noix Korogu dans cette zone. Hein. On n'en a vraiment pas trouvé beaucoup. Hein. Acquisition des données locales. Après, on n'a pas fini d'explorer, mais... Alors, du coup... Oh! Ok, on peut voir du coup les détails du truc. Ok, ok. Bon ben voilà, c'est fait. Bon ben du coup les amis, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc là, ça nous fait un beau panorama pour un petit peu ce qu'on doit faire du coup prochainement. Donc les amis, du coup dans l'épisode prochain, on continuera du coup l'exploration de cette immense zone. C'est vrai qu'on a le... Ah mais en fait, on l'avait déjà exploré vu que on était déjà, on dirait, monté jusqu'à là. Donc les amis, logiquement, du coup dans l'épisode prochain, on partira certainement en direction de l'exploration encore de cette zone. Alors du coup, il y a encore cette étendue de plaine avec le petit bousquet de Gondrin à découvrir tout simplement.
Et puis voilà, donc on ira un petit peu voir ça voilà, la fois prochaine, sachant que on se souvient, il y a un crâne aussi à avoir là-bas. Et du coup, après, on doit continuer avec le Val de Souris. On a l'étang de rail. On en a tellement, on a un truc là. Je sais pas ce que c'est ici, parce que je sais pas où ça nous amènera. Hauteur des bras. Attendez, Libra. À votre avis, il fera froid ici? Je sais pas du tout. Alors, il y a un pont ici qui sépare, mais on a quand même pas mal de lacs. Ok, alors ça, c'est une noix Korogu obligatoire. Oh, mais j'ai l'impression qu'il y en a une deuxième là. Ah, peut-être il faut prendre le deuxième, l'amener là, je sais pas. Mais en tout cas, on peut découvrir quand même quelques petits détails très sympathiques sur la carte. Un petit peu. Voilà, donc ça, je sais pas ce que c'est par contre. Mais voilà, donc on découvrira en temps et en heure. De toute façon, on est loin d'avoir fini, donc soyez patients. Et du coup, ben voilà, en plus, c'est vrai qu'on aura ces côtés-là également à explorer. Le fameux lac d'Aléa, après, il faudra baisser jusqu'à là. À mon avis, du coup, oui, vu qu'on s'était fixé cette zone-là, je pense qu'après, on partira en direction d'ici. Donc, on s'épaira ici. Et on partira en direction d'ici. Et après, on explorera en bas, comme ça, directement. Et une fois qu'on aura fini là, ben du coup, les amis, on ira s'attaquer directement ici. Voilà, donc ce sera notre prochaine zone, les amis. Donc écoutez, merci en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode. On se retrouve du coup pour l'épisode 163 qui arrivera prochainement, les amis. Normalement, peut-être la semaine prochaine, vu que normalement il est censé avoir un planning extra la semaine qui arrive. Donc oui, ça fera de nouveau un planning extra, mais c'était pas voulu. Mais écoutez, plus on y faut, plus on rit. Et du coup, bah, d'ici là, portez-vous bien. C'est bien, il y a un petit sanctuaire avec un petit relais, j'ai l'impression. Donc ça fait plaisir. Et du coup, voilà, donc d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.